On s'arrête sur le 1, 2, 3, 4 et 1. Super. On essaye de présenter du rythme déjà, de travailler aussi le fait que l'enfant n'est pas tout seul. La musique, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Donc si on fait chacun notre truc dans le coin, dans son coin, c'est même pas la peine. Donc très vite, on essaye de leur dire, attends, là, faut écouter telle personne pour qu'il soit capable de faire ça, parce que c'est lui à ce moment-là qui va tenir la baraque, comme on dit. Donc si lui, il s'effondre, tout le monde s'effondre. Donc on leur fait comprendre ça très rapidement et essayer de leur faire comprendre que la musique, c'est pas chacun dans son coin et que c'est tous ensemble. Ça, tu rajoutes, c'est ça. Ça, ça, c'est ça. Très bien, les enfants, on garde ce rythme. Celui avec le krorg, ça s'appelle. Et ben, il doit taper avec les claquettes. Et après, chacun, on fait un rythme avec nos instruments. Et après, ça fait une musique, elle est sympa. Au moins, on s'amuse et ça nous fait découvrir des choses. Par exemple, le partage. Par exemple, faut un peu d'adresse aussi pour les objets du cirque. Et après, en machinerie, ce qu'on peut faire avec pas grand-chose. C'est des classes à peu près entre 20 et 25 élèves. Du coup, on les accueille sous le chapiteau. On se fait déjà forcément une petite rencontre, une discussion avec eux pour dire qui on est, qu'est-ce qu'on va faire. Assez rapide parce qu'il faut vite aller dans la pratique. Et après, on partage en fait les premières séances, les élèves en trois. Et du coup, ils passent sur chaque atelier. Et là, on va faire une petite restitution, un petit mini-spectacle sur la scène. On va les faire monter sur la scène. Et on va reproduire ce qu'on a fait en atelier. Musique, jonglerie et grâce aussi avec la fabrication, comme avec les flûtes qu'ils ont fabriquées pendant la semaine. Ils font un petit concert avec Flo qui est en maestro et qui va faire le chef d'orchestre, qui va diriger ses enfants. Alors en premier, là, on va couper pour faire beaucoup plus pour les ajuster un peu plus. Ensuite, on va les tester. On va les poncer avant. Oui, les poncer. On va les poncer parce que je sais plus, mais je crois que ça donne plus de son. Voilà. Avant, moi, je savais pas comment faire une flûte. Quand je suis venue ici, je me suis dit, c'est pas bête de faire une flûte comme ça. Mais j'ai toujours acheté des flûtes, moi. J'ai jamais construit des flûtes. En plus, on vient juste d'apprendre qu'on pouvait faire ça avec des tuyaux PVC, des tuyaux recyclés. Et puis... C'est bon, c'est là. Oui. Attends, celui-là, on essaie d'avant. Ah, il fait pas de bruit. Ludo, on a un problème. Celle-là, on peut en couper un tout petit peu encore. Je pense qu'on peut enlever 3 mm, et ça devrait être pas mal. 3 mm. On fait des flûtes vraiment artisanales en PVC, donc je cherche à les accorder pour que Flo il arrive à faire une restitution musicale. Mais c'est, on n'est pas dans une précision, on va dire, chirurgicale pour ces flûtes-là. Donc on recherche à ce qu'elles sonnent bien, qu'elles aient un son comme tu as entendu là un petit peu. Donc quand elles sonnent proprement, c'est déjà cool. On est entre le bémol, le dièse et la note normale. Bah, ça fait du bien de sortir un peu de classe parce que, en gros, en fait, on voit... passe la majorité de l'année en classe puis on sort un peu. Voilà, et en plus, là, on apprend les maths et le français, mais dans une discipline qu'on peut s'amuser. Donc c'est mieux que rester devant une feuille et apprendre. Énumérer tous les termes pédagogiques qu'on veut. L'enfant, on va amener l'enfant à l'épanouissement lors de ces ateliers. On va leur montrer aussi d'une autre manière leur dextérité, leur confiance en soi, leur capacité aussi à aller plus loin. Donc pendant 5 jours, ils sont vraiment en immersion dans ce milieu-là. On ne veut pas faire des artistes des enfants, on veut juste partager un moment de vie et leur donner un bout de nous pour qu'ils aillent plus loin dans leur vie aussi, quoi. Parce que ce qu'ils font là, un jour, ça leur servira. C'est une petite graine, quoi. On peut dire ça, c'est une petite graine qui a été plantée, quoi. Puis on verra ce que ça fera. Je leur ai demandé de pratiquer sur
une seule discipline s'ils ont envie de nous montrer quelque chose demain à la restitution. Donc là, pour la plupart, ils veulent faire quelque chose. Et là, c'est l'équipe plus cire qui travaille, chaque enfant en fait, travaille la discipline qu'il a préférée. Il faut se coordonner, donc ensemble, vous vous regardez, il y en a un qui va lancer un peu plus haut que l'autre et l'autre qui va lancer un petit peu plus bas. La problématique, c'est qu'il faut quand même lancer assez haut pour bien rattraper. Si tu fais juste un petit lancer comme ça, tu vois, tu es obligé de te pencher. Donc il faut essayer de la faire monter, cette assiette. D'accord? On la fait monter. D'accord? Chacun arrive à ce qu'il peut, mais... Il y a certains enfants qui ont déjà 3 ou 4 figures en 2-2, quoi, parce qu'ils ont une envie d'apprendre et surtout ils persévèrent. Et c'est l'important en jonglerie, c'est ça, quoi, persévérer à fond. Quoi. Et il y a certains, comme la petite, elle sait déjà faire 3-4 figures, elle peut te faire un enchaînement. Ben en fait, c'est en regardant Ben et comme il venait aussi, il m'a attrapé les mains et en faisait comme ça et tout. Et du coup, ben après, ben voilà, mais quand je faisais, tout le monde était étonné parce que voilà, ils n'arrivaient pas à faire. J'ai fait, ben, vous aussi, bientôt, vous allez arriver à faire, ne vous inquiétez pas. Ben cette enfant, pendant une demi-heure, elle a fait tous les faux gestes qu'il fallait. Elle n'y arrivait pas. Et tout d'un coup, elle a eu le déclic. Tu dis, bah, t'as vu, t'as travaillé, t'as persévéré et tu y es arrivé. Dans la vie, tu vas le rencontrer plusieurs fois, sous d'autres formes, dans la vie de tous les jours, dans ton travail plus tard, dans l'école, tu dois le rencontrer. Mais c'est exactement le chemin, quoi. Donc demain, on sera positionné sur le côté. L'équipe de Flow Musique, avec les flûtes que vous avez fabriquées avec Ludo, vous ferez démonstration sur scène et les autres, vous serez avec moi. Et vous ferez sur de la musique qu'on lancera, on va lancer et vous ferez une petite démonstration de ce que vous avez envie. Donc quand on monte sur scène, on a peur. Oui. On prendra le temps, ok? Parce que vous verrez, vous serez un petit peu stressé. Merci Ben. Merci Flo. Merci Flo. Ok. Retrouvez-nous demain pour le spectacle des enfants. D'atelier, c'est pas comme un spectacle, vous allez voir. Bienvenue à la maison sous chapiteau creux. Surtout les enfants, s'il vous plaît, ce qui va se passer sur scène, encouragez vos copains qui font parce qu'ils sont super stressés. Des loupés, il va y en avoir, c'est sûr, forcément, parce que même moi, le premier qui suis professionnel, des fois quand je suis sur scène, je loupe parce que le stress, parce que plein de choses qui se passent à ce moment-là pendant ce spectacle. Ça marche? Magie, c'est eux qui la produisent en fait. Moi je suis pas là pour dire fais tel rythme ou fais tel rythme parce qu'il y a un rythme qui va parler à un enfant et l'autre et un autre rythme qui va pas lui parler. Après nous d'un œil extérieur on va un peu canaliser tout ça, cadrer et essayer de proposer le plus rapidement possible des petits morceaux et puis au final tout le monde tout le monde y trouve son compte. C'est clair que ça pétille, ils sont motivés. Là, le spectacle les fait bien rêver aussi. Et c'est important de rêver. On oublie un peu notre quotidien et il faut y aller dans le rêve. J'essaie plusieurs techniques. Il y en a certaines que j'ai pas trop réussi, mais ça fait toujours le coup. Ça va? Pas être trop le track? Non, ça va. J'avais vraiment peur. Mais comme il y avait trop de monde aussi, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde comme ça. Et comme c'est la première fois aussi que je monte sur scène devant du monde, du coup là j'ai vraiment peur. J'ai eu une peur, mais là c'est bon. Mais là j'ai toujours peur là. Voilà, c'est bon. Qu'on puisse partager avec les enfants et que les enfants comprennent
ce qu'on fait réellement. C'est un métier, il y a plein de choses autour, et cette manière de faire ce projet, c'est hyper important de partager ça avec eux, et puis moi, c'est ma passion, c'est ma vie.